des baptêmes, toujours les baptêmes. Des baptêmes, toujours les baptêmes. Des baptêmes, toujours les baptêmes. Et des baptêmes, et des baptêmes, et des baptêmes, Eh, mais c'est moi Jean-Baptiste. C'est moi qui baptise, bande de vipères. Arrêtez de vous moquer de moi. Vous n'avez pas honte que Dieu vous regarde comme ça? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux pas qu'on tire les sandales non plus? Pour qui vous vous prenez? Même avec cette chair, Dieu pourrait faire un gars beaucoup plus sympa que vous. Comme Jésus, vous le connaissez ce gars-là? Non. Tu en as entendu parler? Non, et toi? Et vous? Vous en avez entendu parler? J'ai une jupe là. Je tiens. T'appuies. Nous sommes en 5 avant Jésus-Christ. Le soleil est sur le point de se coucher. Tous ceux qui se pressent chez eux ont encore en tête l'attentat commis par les Zélos au mois dernier. Et dans cette région de Galilée, on n'aime pas s'attarder sur les chemins. Bientôt, on ne croise plus un chat. Alors, vous pensez, un ange ? Monsieur, c'est bien ici, Nazareth ? Savez-vous où se trouve la petite Marie? Juste là, ici, là. Oh, Marie, si tu savais toute la grâce que l'on te fait. Oh non, le calendrier de la poste, on l'a déjà. Mais sois en paix, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Bah, je me demande bien qui pourrait m'écrire. Dans 9 mois, il sera né. Qui ça?
De celui qui sera fêté. Mais de qui tu parles? De ton fils. T'es bien gentil, j'ai pas de mari. Et Joseph, c'est pour faire joli? Qu'il en soit fait comme tu l'as dit. J'ai ça. J'en fais quoi ça? Frédéric, j'en fais quoi? Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Désormais les générations me diront toutes bienheureuses, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de fortes grandes choses. Son nom est saint et son pardon s'étend sur tous ceux qui le craignent. Il a détrôné les puissants et il a élevé les humbles. Il a nourri les affamés et renvoyé les riches à vide. Il a secoué Israël, s'est souvenu de sa promesse. Son nom est saint et son pardon s'étend sur tous ceux qui le craignent. Il a détrôné les puissants et il a élevé les humbles. Ok, d'abord moi. Marie se trouva donc enceinte, mais avant d'habiter avec Joseph, son époux. Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il faut dire que Joseph n'était pas du genre à fêter Pâques avant Rameau. Mais c'était sans compter sur Gabriel.
Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Elle est si bien, cette Marie. Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Joseph. 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 Ah! Je sais que tu te poses beaucoup de questions, Joseph. Mais Marie est vraiment une femme super, tu sais. Je craque quand elle me sourit, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être enceinte, pas mariée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être enceinte, pas mariée. Tu sais, c'est pas si facile. Tu sais, les gens sont coincés. Et moi, je suis vraiment pas sûr d'assurer. Défais-toi des a priori. Chaque enfant parle de Saint-Esprit. Jésus-Christ, le roi, le Messie, ou la profonde vie. Il apporte la vie, on le sait, Jésus-Christ. Le roi, le Messie, ou la profonde vie. Il apporte la vie. Vous souhaite à tous plein de bonheur, de tendresse et de bonne humeur. Joseph, n'oublie pas d'aller chercher les fraises. Et toi, Marie, de te mettre à l'aise. Alors réjouissons-nous de la bonne nouvelle. Et on vous souhaite à tous un joyeux Noël. Alors réjouissons-nous de la bonne nouvelle. Et on vous souhaite à tous un joyeux Noël. Avec le public. Merci de votre attention. Bon, quelques petites défaillances techniques, mais Queen ne faisait pas mieux à Wembley, donc c'est pas très grave. Alors, ils vont venir saluer chacun leur tour pour un peu représenter tous les personnages qui ont été convoqués dans cette comédie musicale. Alors, en tout premier lieu, vous avez pu voir Jean-Baptiste et les Centurions. Moi, j'aurais sauté. Enfin, non. Jean-Baptiste et les Centurions. Voilà. Enrobé de vanille. Ouais. Là, c'est de la vanille de Gourdi et il y avait un garde caramel collant. En gros, c'est ce qu'on t'a. Vous avez vu aussi des anges. Alors, les anges, au même titre que Gabriel, sont reconnaissables car ils sont en blanc et en doré. C'est lui qui a fait ça. Merci, les filles. Alors, vous avez probablement remarqué que vous avez eu un Gabriel et une Gabrielle. Donc, la Gabrielle, c'était Isée, et Marie, qui était Clémentine. Donc, les Maries qui sont reconnaissables à leur bleu marial avec des étoiles dorées, qui ont été aussi rejointes par plusieurs Maries, des Mariettes, qui sont venues chanter.
Toi, t'as jamais appelé? Non, t'as vu, on m'entend. Très bien, c'est chouette. Un deux. Que fait de la concurrence? Alors, il y a eu des lectrices aussi. Donc, on a eu Diane, on a eu Alma et on a eu Capucine. Diane et Capucine. Enfin, nous avons terminé avec les Joseph et les Gabriel. Donc, les Gabriel, toujours reconnaissables à leur cape dorée. Voilà. Et enfin, on a évidemment, pour que tout ça fonctionne, on a eu besoin d'une équipe de décor. Alors, je ne sais pas où ils sont, Arthur, Thomas. Voilà, génial. Merci pour les décors. Et enfin, l'équipe des costumes. Alors, on avait Aijong, mais on avait aussi Héloïse. Je ne sais pas où elle est passée. Ah, ben voilà. Donc, Aijong. Alors, Héloïse, on l'a pas... Bah, Héloïse, viens. Bah, viens, Héloïse. Oh. Voilà, Héloïse pour l'équipe des costumes. Et enfin, on a eu aussi Pia qui est venue nous assister sur le plan technique. Alors Pia, je ne la trouve pas non plus. Elle est où? Elle est là, voilà. Et qui nous a aidé au pied levé et qui l'a fait formidablement. Et enfin, évidemment, merci à Aurélien qui a tout accompagné avec brio. Et Steve. Merci, bonne fête de Noël à tous. Et à Frédéric. Merci à Frédéric. Bravo!